Même le roi du ciel, Indra Lokam, Indra avait peur de ce rishi qui s'appelait Vishwamitra, parce que lui commençait à méditer très fort. Donc le monde entier tremblait. Et donc il avait, même le roi du ciel, Indra Lokam, Indra, le roi de Indra Lokam, c'est Indra. Il avait peur de ça. Est-ce que, à cause de cette méditation, lui, il va me dépasser en pouvoir? Qu'est-ce que je dois faire? Moi, je suis en danger. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut distraire. Il faut faire en sorte que sa méditation s'arrête. Ben, je vais envoyer Urvasi et Ramba, mais j'aimerais savoir laquelle de ces deux dames peut danser de telle manière que lui, il peut arrêter de méditer. Qui est la meilleure? Qui peut distraire Vishwamitra? Ramba et Urvasi, ces deux dames. Moi aussi, je suis très experte en Bharatanatyam. Laquelle de deux, Urvasi ou Ramba? Ben maintenant, il faut juger, il faut donner, il faut décider qui est meilleur. C'est ça le secret de management pour juger qui est meilleur. Qu'est-ce qu'il faut recruter? Qui recruter? Le secret de recrutement, c'est manpower. Et nous, dans le monde de Dieu, personne ne peut juger. C'est très compliqué. Il faut aller voir Vikramaditya. C'est lui qui est capable. Il connaît tout. Bon, on va aller chercher ce roi Vikramaditya pour avoir une décision saine. Lui, il a le master. Il a toute l'expertise. Il peut recruter comme il faut. Il a les secrets de recrutement parce qu'il a le master supérieur à tout le monde. Ben, là, on va aller chercher dans le monde. Depuis le ciel, il descend sur la terre. Ils vont entrer dans le palais. S'il vous plaît, Monsieur Vikramaditya, roi Vikramaditya, nous avons besoin de votre aide pour trancher, pour décider qui est la meilleure entre ces deux dames. Venez nous sauver, s'il vous plaît. D'habitude, c'est les gens de Dieu c'est les gens de terre qui ont besoin de Dieu. Mais cette fois-ci, c'est le Dieu qui a besoin de l'homme. Tellement il est célèbre, ce roi Vikramaditya, que moi et ma sœur, on s'est battu pour avoir ce livre de 100 ans. Mais elle a gardé l'original, moi j'ai que la copie. Et cette copie a été photocopiée par un Français, un métropolitain. Parce que ma sœur lui a donné une bouteille de whisky. Voilà, enfin, ça c'est pour mon anecdote. Mais là, on revient sur l'histoire. Devendra parle. Toi, le seul qui peut être capable de juger entre les deux dames, qui est la meilleure? S'il te plaît, aide-nous. On va commencer la danse. Tu vas juger. Et les deux dames commencent à danser.
Et Vikramaditya est très malin. Il a donné deux fleurs. Il prend deux fleurs. Il a mis une abeille là dans les fleurs. Vandu, abeille. Et quand elle danse les deux, avec le bouquet dans lequel il y a le vandu, abeille, Ramba a lâché le Shruti et Talam. Pourquoi? Parce qu'elle a tenu le bouquet de manière un peu plus intense. Urvasi a tenu le bouquet de manière légère. Pourquoi Urvasi? De façon qu'elle tient le bouquet, l'abeille n'a pas piqué. Ramba, elle a serré le bouquet un peu plus fort, l'abeille a piqué. Est-ce que c'est suffisant pour juger? Il faut voir aussi le mouvement du corps. Il faut exprimer le mot à travers le corps. C'est le pas droit sûr. Rasabhavam. Et tous les principes de Natya Shastra doivent être suivis. Ça, c'est le bon type. Bonne décision. Même si le Deva ne peut pas il a un homme de la terre qui vient nous aider. Et Devendra, il a donné ce trône. Qui est donné par Dieu Shiva. Et je te donne en cadeau. Donc, ce trône a été donné par Devendra, qui lui-même il a reçu de Shiva. Et à Vikramaditya, il a gagné le rare cadeau du ciel, un homme de la terre.